Salut tout le monde, je vous retrouve dans les aventures de Dory, du coup épisode 9. Donc là aujourd'hui on va se faire une petite route de montagne, une petite course de côte habituellement, hein. C'est une route de rallye. Bon, moi je roule pas comme un monsieur rallye, mais on va voir les aptitudes du coup de la Zoé. Donc là on est environ à 100 mètres d'altitude, on va monter à 850, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez l'antenne derrière moi, donc voilà, on va monter là-bas. Oh, on a environ, je crois, une dizaine de kilomètres. Je vais remettre les compteurs à zéro et je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire un peu ce qu'il en est. Voilà, alors on est parti, j'attaque la route. Je vais vous faire une petite vidéo de la route, comme en plus il y a des beaux paysages et c'est sympa sur la montée. Et là, je viens de remettre les compteurs à zéro, donc ma conso moyenne et tout ça. Et on va voir ce que ça donne. J'espère juste que le téléphone ne tombera pas. Parce que je l'ai fixé avec un système. Bon, on verra. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour la montée. Et voilà, ça a déjà pas tenu au bout de 2 mètres. Donc je vais essayer de resserrer un coup. Ah putain, pourtant je suis bien serré là. Allez, c'est parti. Bon, elle fait 110 chevaux la voiture, mais franchement, pour une route comme ça, moi, ça me suffit largement. Alors après, elle tourne beaucoup, la route est pas bonne. La direction est très agréable, vraiment super sympa là, sur ces routes-là, très facile. Qu'est-ce que je voulais dire? L'amortissement et le confort, pour l'instant, vraiment bien, vraiment top. Elle prend bien les bosses, il n'y a pas de souci. Elle tient dans les virages. Bon, c'est pas une voiture de rallye non plus, hein, mais voilà, on n'est pas surpris par le comportement de la voiture. Et ça, c'est plutôt sympa sur ce type de route où il faut être très attentif quand même. Voilà, on arrive dans une zone de travaux. Je vais ralentir un peu. Pas la région, c'est une belle route à découvrir. Donc cette route, elle monte depuis le village, mince, j'ai oublié le nom, d'Arboras, voilà, et c'est pour monter au Mont Saint-Baudile, et c'est aussi la route avec laquelle on peut accéder au cirque de Navacelles, qui est un superbe endroit que je vous invite à découvrir. C'est dans l'Hérault, si vous connaissez pas. Voilà, super sympa. Je sais pas si vous voyez, au col du vent. Donc je vais pas aller tout en haut jusqu'au Mont Saint-Baudile, le col du vent c'est déjà pas mal. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait du 39 kWh au 100, ce qui est énorme, mais forcément on était en montée. Donc là, ce que je vais faire demi-tour, je vais m'arrêter. Et on va faire la descente en mode B.
et je pense pouvoir récupérer pas mal sur ma moyenne. Voilà, donc comme je vous disais, hein, donc presque 39 au 100, 39 kWh. On va regarder. Voilà, donc j'ai fait 7 km. Mais que de la montée, route de montagne. Donc forcément, ça consomme beaucoup. Donc je vous refais un point quand j'ai fini la descente. Je ne vais pas vous la filmer, la descente. Hein. C'est bon, vous avez vu la montée. Je vais vous épargner ça. À plus. Nous voilà de retour au point de départ. Donc voilà, donc j'ai fait la descente. Alors déjà, première surprise, j'ai récupéré 1% de batterie avec le mode B, donc ça c'est plutôt sympa. Et la conso finale arrive à 15 kWh. Donc pour de la montagne, franchement, c'est carrément bien, moi je trouve. Alors évidemment, dans la montée, j'ai consommé du 40, et pourtant, hein, enfin voilà, hein, j'ai roulé, voilà, je roule pas doucement moi en montagne, hein, et même dans la descente, j'y suis allé. Et au final, retour au point de départ, 15 kWh, donc une autonomie possible quand même de 300 km quoi en montagne, c'est plutôt sympa. Après, bien sûr, c'est un petit trajet que j'ai fait. Bah, s'il y en a qui ont plus d'expérience, n'hésitez pas à le faire savoir sur de la montagne et tout ça. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et regarder les autres épisodes. À bientôt!